Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous venez d'entendre l'Évangile où Saint Marc nous parle d'un grand miracle opéré par notre Seigneur Jésus-Christ, la guérison d'un sourd muet. Jésus touche ses oreilles, sa langue, et il dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvrez-vous ». Et il réalise la guérison. Cela nous fait méditer sur la puissance de l'humanité de notre Seigneur, unie à sa divinité. L'humanité de Jésus est source de grâce et de miracles. Il ordonne et il commande aux lois de la nature. Et il montre par là sa divinité pour engendrer, pas uniquement la guérison physique, mais surtout la foi dans les âmes pour qu'ils puissent parvenir à la vie de la grâce et surtout à la vie éternelle. Jésus est venu pour nous sauver. Et Saint Bède, le Vénérable, nous dit que ce sourd muet est le symbole de l'homme. L'homme qui n'a pas d'oreille pour entendre la parole de Dieu, ni l'usage de la langue pour l'annoncer aux autres. Oui, ce sourd muet est l'image de l'homme blessé par le péché originel. Il a perdu pas seulement la grâce sanctifiante, mais sa nature est blessée, son intelligence par l'ignorance, sa volonté par la malice. Et il subit l'emprise du démon qui a un réel pouvoir sur l'humanité pécheresse. Et Jésus vient nous libérer de cet esclavage. Le Fils de Dieu prend une nature humaine pour s'offrir en sacrifice sur la croix. Et par son sacrifice, nous donne les moyens de retrouver l'amitié de Dieu, de contrer les assauts du démon. Par les sacrements qui viennent de son sacrifice, notamment par le baptême. Le baptême, premier de tous les sacrements, nous redonne la vie de la grâce et nous soutient dans ces combats que nous devons mener pour parvenir à la vie éternelle par toutes les grâces sacramentelles, toutes ces grâces actuelles auxquelles le baptême nous donne droit à boire pendant notre vie. Et ces gestes que Jésus a fait sur les sourds-muets, l'Église les reproduit justement dans le rite du baptême. Le prêtre touche les oreilles de l'enfant et il dit « Ouvrez-vous, Ephphatha, quod est ad aperire ». Et en même temps, il prononce un exorcisme. « Tu autem effugare diabole, a propinquabite inimiudicium Dei, et toi, démon, va-t'en ». Car le jugement de Dieu approche. C'est le combat exorciste de l'Église qui commence au baptême. Le diable, c'est une personne, un être spirituel qui s'est révolté contre Dieu et qui nous mène un combat mortel. Frères, soyez sobres et veillés, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, cherchant quelqu'un à dévorer. Il faut lui résister fort dans la foi, dit Saint Paul. L'Église conciliaire semble avoir oublié ces combats exorcistes que l'Église doit mener. Dans les nouveaux rites du baptême, presque tous les exorcistes ont été supprimés. C'était le regret d'un grand exorciste, le père Amort, décédé maintenant, qui regrettait cela et aussi le fait qu'on ait supprimé la prière à Saint-Michel après les messes basses et aussi qu'on ait changé les nouveaux rituels d'exorcisme. Oui, l'Église mène un combat contre Satan. Elle veut protéger ses enfants. C'est pour ça que déjà au baptême, elle prononce ces exorcismes pour disposer l'âme de l'enfant à recevoir abondamment la grâce du baptême. Tous les rites du baptême expriment cette vérité de foi. L'âme de l'enfant sera régénérée. Le péché originel sera détruit. Et si quelqu'un reçoit le baptême étant adulte, tous les péchés qu'il a commis tout au long de sa vie sont effacés, ainsi que la dette due au péché. C'est une vraie résurrection, symbolisée par l'eau. On sort de l'eau du baptême purifié, c'est l'homme nouveau qui naît.
Et cette vie surnaturelle de la grâce, cette qualité surnaturelle que Dieu donne à l'âme de l'enfant, et en la rendant toute belle, toute pure, amie des dieux, greffée dans la vie divine, et avec la grâce, le caractère de chrétien, membre de l'Église, enfant de Dieu, donc héritier du ciel. Tout cela est signifié dans les rites du baptême, notamment l'habit blanc que le prêtre impose à l'enfant après qu'il a reçu le baptême, et cette bougie allumée qu'il donne aux parrains et la marraine qui représentent les enfants. Cette bougie allumée représente cette vie surnaturelle qu'il faut alimenter par la prière, par les bonnes œuvres, par les autres sacrements, puisque le baptême est la porte des autres sacrements. Il nous donne la vie, mais cette vie, il faut la nourrir, notamment par la Sainte Eucharistie. Et si on tombe malade, il faut s'approcher du médecin de nos âmes, le prêtre, qui nous fortifie par ses sacrements de pénitence et nous redonne la vie surnaturelle si nous avons eu le malheur de la perdre par le péché mortel. Oui, cette bougie allumée que le prêtre donne fait allusion à une parabole très belle de l'Évangile, la parabole des 10 vierges qui attendaient l'époux pour entrer aux noces. 5 étaient prudentes, 5 étaient sottes. Elles avaient prévu des lampes, car l'époux pouvait tarder, et en effet, pendant la nuit, l'époux n'est pas encore arrivé. Tout s'endort, et au milieu de la nuit, l'époux arrive, et les lampes sont en train de s'éteindre. Uniquement les vierges sages avaient prévu de l'huile, ils peuvent alimenter leurs lampes et entrer aux noces. Les autres 5 sont contraintes à rester à l'extérieur, où il y a du pleur et du grincement de dents, symbole de l'enfer éternel. Au moment de la mort, il faut que nous ayons cette vie surnaturelle de la grâce, d'où l'importance de l'alimenter constamment par la prière, par les sacrements. Et ce sacrement du baptême est d'une importance capitale, est d'une nécessité des moyens, donc absolue, pour avoir la vie éternelle. Déjà, il avait été annoncé par Saint Jean-Baptiste que lui donnait un baptême de pénitence, qui n'était pas le sacrement du baptême, c'est une sorte de sacramental pour disposer les âmes à la contrition parfaite, pour pouvoir retrouver la grâce de Dieu. C'était le seul moyen avant l'institution du sacrement de pénitence. Mais Saint Jean-Baptiste avait annoncé à ses disciples, « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un viendra après moi qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Notre Seigneur Jésus-Christ, qui institue les sacrements du baptême en allant au Jourdain, en se soumettant au baptême de pénitence de Saint Jean-Baptiste et en donnant par là à l'eau le pouvoir d'effacer le péché par le sacrement qu'il va instituer. Oui, Jésus dira à Nicodème au jardin des Oliviers, « Si quelqu'un ne renaît pas de l'eau et de l'Esprit Saint, ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. » Le baptême est d'une nécessité absolue, d'où l'importance et le devoir des parents de baptiser leurs enfants au plus tôt. Ce n'est pas indifférent pour un enfant recevoir la vie surnaturelle de la grâce, devenir enfant de Dieu rapidement après sa naissance ou attendre peut-être plusieurs mois pour faire la fête avec la famille. C'est vraiment changer l'ordre d'importance des choses, et il y a même matière à péché grave si on attend plus d'un mois pour baptiser son enfant. Tellement l'Église veut qu'on donne cette vie surnaturelle rapidement aux enfants qui viennent de naître. Oui, l'importance du baptême est capitale, fondamentale. Mais il n'y a pas que le baptême sacrement, le baptême d'eau. Nous savons que on peut se sauver aussi par le désir du baptême. Saint Ambroise avait dit, à l'occasion de la mort de l'empereur Valentinien II, qui était en route pour recevoir le baptême, et donc qui avait le désir du baptême, que ce désir avait pu le sauver. Le désir du baptême qui comporte la foi et la contrition parfaite de nos fautes, de nos péchés, eh bien, donne déjà la vie de la grâce aux catéchumènes qui se préparent
au baptême. Et ce désir de baptême peut être tellement fort qu'il pousse la personne à donner la vie pour notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'on appelle le baptême de sang. Mourir par la foi fait que on passe de cette vie directement au ciel. Jésus avait dit dans l'Évangile, « Il n'y a pas d'amour plus grand que celui qui donne sa vie pour ses amis. » Et encore, « Celui qui perdra sa vie pour moi, il la retrouvera. » Et nous avons deux cas dans l'histoire de l'Église du baptême de sang. Et très beau est celui d'Otrante. La ville d'Otrante fut assiégée par les musulmans en 1480. À la fin du mois de juin, une flotte musulmane arrive, 60 navires qui contiennent 18 000 hommes assiègent la ville. Et après toute la résistance que ces pauvres habitants pouvaient donner, mais ils ne pouvaient rien face à l'artillerie musulmane, la ville tombe dans les mains de l'ennemi. Et les musulmans veulent obliger les chrétiens à apostasier, à abandonner la foi catholique. Mais ces chrétiens vont résister, guidés par leur chef qui était Antoine Pezzula, et on l'a surnommé Primaldo. C'est à lui qui, au nom de tous, va leur dire « Nous considérons Jésus-Christ comme notre Seigneur, le vrai Dieu. Nous préférons plutôt 1000 fois mourir que de régner et devenir turc, donc musulman. » Et il sera le premier à être décapité. Mais voici qu'un miracle s'opère. Une fois qu'on lui a coupé la tête, son buste, son corps reste debout, avec un doigt pointé contre ses ennemis et dirigé aussi vers ses amis, comme pour leur indiquer que la voie maintenant, c'est le martyr, accepter la mort pour amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors les musulmans vont décapiter 800 hommes, 813 exactement. Et entre-temps, on essayait de pousser par terre le corps des Primaldo, même avec des cordes, mais ils ne vont pas y arriver. Et seulement à la fin, ce corps privé de la tête tombe par terre. Et alors là, un des musulmans, en voyant ces miracles, s'écrie, un certain Bersabeï, le Dieu des chrétiens est le vrai Dieu. Et alors ses camarades vont lui faire subir les supplices de l'impalation qu'il va supporter par amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le baptême de sang, donner sa vie par amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce pour cet homme de se convertir ainsi et de subir les martyrs par amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a aussi une autre sorte de baptême du désir, ce qu'on appelle le baptême des désirs implicites. Quelqu'un qui, en toute bonne foi, ne connaissant pas la foi chrétienne, notre Seigneur Jésus-Christ, il adore Dieu qui peut connaître par la loi, l'ordre de l'univers, et il essaye d'observer la loi naturelle que Dieu a imprimée dans notre cœur. Eh bien, Dieu, qui veut le salut de tous les hommes, ne va pas l'abandonner. Le Concile de Trente nous dit que Dieu n'abandonne pas. Celui qui fait ce qu'il peut, Dieu ne dénie pas sa grâce. Et Dieu n'est pas à court des moyens pour conduire les âmes à la foi et à la contrition de leurs péchés. Saint Thomas d'Aquin parle de l'action des missionnaires, d'où l'importance de répondre à la vocation quand Dieu nous appelle, surtout aujourd'hui. On peut dire que le monde entier est devenu terre des missions et nous avons besoin de prêtres, des missionnaires, car la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux, comme dit Jésus dans l'Évangile. Dieu peut aussi envoyer des anges, dit saint Thomas, ou alors agir par des inspirations intérieures. C'est très courant quand on voit des musulmans qui reviennent à la foi suite à des rêves ou à des locutions intérieures. C'est extraordinaire comment la grâce de Dieu peut agir dans les âmes pour les conduire à la foi. Donc, il est important pour nous de méditer sur le baptême, de remercier Dieu de cette grâce extraordinaire que nous avons reçue, le baptême, et pouvoir connaître Dieu, pouvoir pratiquer la religion chrétienne. Et prions la Sainte Vierge pour qu'elle nous aide à comprendre à sa juste valeur l'importance de ces sacrements.
Et aussi, prions-la, parce que cette grâce qui nous a été donnée, ce n'est pas uniquement pour nous. Comme dit Saint Bède le Vénérable, Dieu nous a ouvert les oreilles pour entendre la parole de Dieu, nous a ouvert aussi la bouche pour que nous puissions la transmettre aux autres. Tout chrétien doit être lumière du monde, celle de la terre, surtout aujourd'hui, dans l'époque où nous vivons. Donc, demandons à la Sainte Vierge qu'il nous donne cette grâce, la grâce d'être fidèle aux promesses de notre baptême. Là, nous avons renoncé à Satan pour appartenir à Jésus-Christ, pour le faire régner en nous, autour de nous, que la Vierge Marie nous y aide pour qu'on puisse parvenir ainsi à la béatitude éternelle. Ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.